Kingdom Come est un jeu historique axé sur la bohème du début du XVe siècle. Le jeu est sorti en février 2018 et a été développé par le studio tchèque Warhorse. Charles IV, roi de Bohême et empereur du Saint-Empire, meurt en 1378. Son règne était marqué par un certain âge d'or. Son fils, Wenceslas IV du Luxembourg, lui succède. Cependant, le nouveau roi, de par sa négligence envers ses devoirs d'empereur et de roi, voit une partie de la noblesse tchèque se liguer contre lui et se tourner en fait vers son demi-frère, Sigismond de Hongrie, et il décida d'enlever Wenceslas pour le forcer à abdiquer. Il envahit alors la Bohême dans l'espoir de soumettre la noblesse qui était restée fidèle à Wenceslas. C'est alors qu'en 1403 a lieu le sac de Scalice, village natal du protagoniste du jeu. L'histoire se déroule donc en Bohême centrale, à une trentaine de kilomètres de Prague, et non loin non plus de Kutná-Hora, qui était jadis Gutenberg. Le jeu se déroule donc dans un espace qui est un peu un espace de carrefour entre Prague et Gutenberg, qui étaient alors les deux plus grandes villes de Bohême. Le terrain est plutôt vallonné avec de nombreuses forêts. La rivière Sasso passe sur la map et les deux plus grandes villes sont Rathay et Sasso. La ville de Rathay se situe au sud-est de la map. Elle est limitée en son nord par la rivière et au sud par la forêt. Les limites de la ville étaient toujours indiquées, au moins avec des tertres, avec des fossés, des fois des clôtures. Là, on a une présence de murailles. Ce n'était pas quelque chose de systématique. En Bohême, le pourcentage de villes avec des murailles dépassait rarement 50%. Donc ça veut dire que la ville a des moyens. La ville qu'on a sous les yeux est une ville secondaire. Ce n'est pas, si on prend comme source les registres fiscaux d'époque, une ville principale de Bohême, parce qu'on n'a pas tant de pierres que ça en termes de bâti. Et donc, il faut savoir que c'était quand même un type de petite ville donc, qui était la majorité du pays. Des villes qui n'avaient une population non agricole réduite, et donc où l'agricole et le seigneur étaient vraiment importants. Si on observe le tracé urbain, comme dans le jeu, on sait qu'historiquement, il y avait deux espaces qui jouaient un rôle de définition. La place du marché et le parvis de l'église. Marché, donc, lui, s'organisait spatialement autour des plus puissantes familles qui s'installaient en ville. Les membres de ces familles, c'était ceux qui organisaient les échanges à longue distance. C'était les membres des métiers les plus lucratifs. Dans le jeu, on peut voir un tailleur, par exemple. C'était des rentiers riches aussi, ou des propriétaires fonciers. Et la place du marché, c'était donc un pôle commercial principal, le carrefour des communications, et donc c'était un centre de pouvoir. Elle était tracée dès l'origine de la ville, et elle déterminait par sa position la grandeur et souvent la forme de la nouvelle cité. Ça, c'est Henryk Sansonovitch qui le souligne. Alors des fois, c'était très simpliste. Dans les villes vraiment petites, la fondation urbaine des fois se limite à juste délimiter les parcelles voisines du marché. Et donc à côté, on a le terrain sur lequel était l'église paroissiale, qui constitue un autre pôle urbain, église qu'on retrouve dans le jeu. Son rôle et comment elle était disposée déterminait parfois la forme du parvis, et elle obligeait les architectes à projeter les autres constructions en fonction d'elle. Et dans beaucoup de cas, il faut aussi dire que les églises, c'était les bâtiments, les édifices les plus anciens de la ville. Et donc dans le jeu, on voit qu'elle a une place imposante, que le bâtiment est haut, on voit qu'elle est de style roman en extérieur, tandis que l'intérieur est plus gothique, puisqu'on retrouve des arcs brisés et aussi des riches décorations, comme on a trouvé dans les appartements seigneuriaux d'ailleurs, mais qui sont ici très abîmés. Les signes d'une église peu entretenue. Et pour parler du gothique en règle générale, on sait qu'il était présent effectivement en Bohême, comme le souligne Norbert Nussbaum, la Bohême qui faisait partie du Saint-Empire depuis le XIe siècle, donc au sein duquel des mouvements comme le gothique, le style français à l'époque, circulaient effectivement. Les rues sont peut-être légèrement larges pour l'époque, et le tracé a l'air très orthogonal. Ça a peut-être été fait dans un souci d'orientation du joueur, le studio.
On trouve pas non plus de quartier très spécialisé dans la ville, qui est professionnel ou confessionnel. Tout ça, c'est assez normal, étant donné que c'était plus quelque chose typique de grandes villes, de villes nouvelles, de villes de colonisation, comme on disait. Dans cette période d'exode rural, début du 15e, le souligne Heinrich Hübner, historien et démographe allemand. Pour parler du donjon et des appartements seigneuriaux de Rathé, on constate qu'ils surplombent la ville, ce qui donne une importance bien spécifique au pouvoir symbolique du seigneur, avec un intérieur qui est très bien fait. On voit le souci du détail des développeurs, vraiment, avec des peintures murales qui ne sont pas authentiques, mais qui sont inspirées d'authentiques d'époque. Et à proximité de ces appartements seigneuriaux, les geôles, on retrouve. Si on comparait au cas des châteaux, c'est le même plan que celui du haut tour. Alors, à proximité immédiate de la ville se trouve évidemment la rivière la Sasso, qui va être le moteur des activités qui ne peuvent en fait pas avoir lieu dans la ville. Rathé est une ville de type petite, selon Sasmanowitz, et l'artisanat est surreprésenté par rapport à l'agriculture, qui devrait être plus importante dans une ville de moindre envergure. Ce qui frappe quand on est dans les faubourgs, c'est qu'il y a peu de bâtis. C'est-à-dire qu'à part les activités du tanneur et du meunier, il n'y a strictement rien. À part quelques cabanes de fermiers, il n'y a pas grand-chose. Alors qu'on sait qu'à cette période, il y avait un certain exode rural, et que sûrement les villes étaient plus bondées que ça. Alors c'est sûrement un choix des développeurs de ne pas surcharger les faubourgs, sûrement pour permettre aux joueurs de pouvoir mieux s'orienter. Donc dans les faubourgs, on retrouve le moulin du meunier. Hein. Au Moyen-Âge, presque chaque village disposait d'un moulin, et les moulins à eau se répandaient de plus en plus au 15e siècle. Là, ici, nous avons effectivement un moulin à eau, avec une roue à eau. Alors on peut aussi voir une sorte de barrage artificiel. Il faut savoir que c'est pour réguler le courant de la rivière. S'il y a trop de courant, les roues ne fonctionnent pas bien. Et au contraire, s'il n'y a pas assez de courant, les roues ne fonctionnent pas bien non plus. Donc il faut savoir que les meuniers avaient des droits des eaux et pouvaient, avec ses droits, modifier le cours de la rivière. Il y a également la présence d'un tanneur. Le tanneur est un artisan qui prépare et traite les peaux d'animaux. C'est un travail pénible et très odorant, et donc situé en périphérie des villes. Les peaux avaient besoin d'être nettoyées, et cela nécessitait des ressources en eau. D'où la localisation à côté de la Sasso. On constate aussi dans le jeu quelques canaux de dérivation qui, en fait, servaient au traitement des peaux. On retrouve aussi des bains publics. Les bains publics sont apparus à peu près au 12e siècle en Europe centrale. Généralement, chaque ville possédait ses bains publics, et ces bains sont généralement à côté d'une source d'eau. Ici, c'est la rivière. Bourgeois et paysans pouvaient y avoir accès, mais en fait, si vous aviez assez d'argent, vous pouvez avoir vos propres bains. Un rôle particulier incombait les faubourgs. Ils servaient non seulement de base agricole et démographique, mais offraient aussi les terrains nécessaires à l'implantation d'équipements économiques, tels les moulins, comme on l'a vu. À Rathé, les limites de la ville sont bien définies avec les murailles, mais la limite entre le monde agricole et les faubourgs est assez floue. Des parcelles de terres agricoles se trouvent alors au sud de la ville. Celles-ci sont assez petites et sont délimitées par des sortes de barrières ou de murets. Qu'à l'est de la ville, on trouve des terrains agricoles beaucoup plus grands, qui sont davantage typiques en fait de la Bohème. C'est-à-dire que ce sont des grandes parcelles, généralement en bocage, qui sont en forme, selon le relief, d'escalier. On constate aussi qu'il y a de l'élevage. Il y a pas mal d'animaux domestiques, tels des moutons, des bœufs ou des porcs. Et en fait, on constate aussi que, ce qui était certainement le cas à l'époque, c'est que chaque foyer possédait un potager ou quelques animaux, tels des poules ou des cochons. Et en fait, ça servait davantage à, pas à un élevage pour le commerce, mais pour nourrir le foyer. Alors, si on s'éloigne encore de la ville, on se trouve alors dans la forêt, qui se situe alors au sud de Rathé. Alors, l'activité principale qui se pratique dans la forêt, c'est bien sûr la chasse. Alors, la chasse était un loisir réservé à la noblesse, mais était aussi une bonne source de revenus pour elle. Les veneurs et les chasseurs féodaux avaient des droits accordés par le seigneur. Ils exploitaient la forêt en son nom et défendaient le gibier contre toutes sortes de braconnages. Les braconneurs qui étaient pris en flagrant délit devaient payer une amende ou pouvaient subir des châtiments corporels. D'ailleurs, dans le jeu, vous pouvez braconner pour récupérer des abats d'animaux, mais aussi des ramures ou encore de l'épeau. Et en fait, c'est quelque chose de très lucratif, mais qui est aussi illégal. Dans le jeu, nous pouvons chasser du chevreuil, mais aussi du lapin, mais également du sanglier.
La forêt est la zone la plus inhospitalière du jeu. À tous les moments, vous pouvez vous faire attaquer par une embuscade de bandits, par exemple, et ça reflète assez bien l'insécurité que pouvaient provoquer les forêts au Moyen-Âge. C'est-à-dire que vous trouvez toutes sortes de vagabonds ou de marginaux à l'intérieur des forêts. Vous pouvez aussi récolter toutes sortes d'herbes ou de champignons dans la forêt. En fait, les développeurs se sont inspirés de la flore actuelle qu'il y a en Bohème pour pouvoir identifier celle qu'il y avait au Moyen-Âge. Et grâce à ces ingrédients, vous pouvez pratiquer l'alchimie qui vous donne des potions dans le jeu. On retrouve dans les forêts plusieurs campements, dont les campements de charbonniers. Le charbon était un matériau plus efficace à la combustion que le bois. Il y avait alors une forte demande, et les charbonniers vivaient dans des baraques situées à l'intérieur des bois. Le charbon était obtenu à partir d'une pyrolyse qui se faisait dans des sortes de puits recouverts d'argile. Il y a aussi des campements de bûcherons. Au début du Moyen-Âge, l'extension des villes et l'essor démographique provoqua de grands défrichements, et le reboisement n'était pas encore généralisé. Ici, la ville de Rathay est entourée par des champs, mais aussi de beaucoup de terrains défrichés. Se trouve aussi à proximité des bois de Rathay, la demeure du bourreau. Le bourreau est un professionnel de l'exécution, et c'est un métier bien payé, mais au prix de l'exclusion de la communauté. Le bourreau était associé à la mort. Il vit généralement dans une maisonnée en marge de la ville. Et là, il vit dans une maison sur la colline du Pendu, qui est aussi en bordure de forêt. Il est impossible de reconstituer une forêt dans son exactitude, comme elle aurait été au Moyen-Âge. Mais les développeurs sont restés fidèles à ce que pouvait être une forêt au XVe siècle, c'est-à-dire avec toutes les activités qui y sont liées, mais aussi avec toute la flore et la faune qui pouvait y avoir.